Salut à tous, c'est CoasterTube et aujourd'hui on se retrouve dans le DCR pour une toute nouvelle vidéo. Je suis à la mer de sable comme vous pouvez le voir. Voilà, entouré de sable, ça se trouve au niveau de Hermenonville dans l'Oise. Et je viens pour tester leur toute nouvelle nouveauté 2019. Ça va être un truc assez innovant dans les parcs d'attractions. C'est un escape game, j'ai dit vraiment. Un escape game au niveau du Wild West Show. Donc on va aller tester ça. Allez, c'est parti pour une journée à la mer de sable. Allez, go, go, dépêche-toi, on le voit. Allez, sable, allez, sable, 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 sable. Oh, il est tombé. Non, c'est bon, il va bien. Il va pas te faire mal. Tiens. C'est le chef, grand chef de la tribu des Lakolala. On est accompagné en plus de John Coaster World. Hey, on a besoin de 4 cerveaux au moins là. Donc là on est avec, tu participes quand même, reste avec nous. Ah voilà. Moi j'étais parti moi. Avec Coaster World. Salut. On a aussi un deuxième de Coaster World qui est juste là, qui gère un peu le développement web. Et oui c'est ça, le développement web. C'est ça, il gère. Voilà. C'est ça. Et puis toi, parce qu'on va faire une petite interview vomito. Moi. Voilà, c'est ça. Alors que fais-tu dans Coaster World? Alors moi je gère les relations public et voilà. Relations publiques. Ouais, on va dire ça comme ça. D'accord. Un petit peu les relations avec les parcs et. Ouais. Les relations voilà. Presse, histoire de gratter des places par exemple. Ouais, voilà, histoire de manger au buffet, tout ça, parce que le pigeonneau, quand tu restes, c'est quand même très très bon. Avec alors, un petit bourgueil. Je vous rappelle l'ouverture presse. Du Futuroscope avec un petit buffet au niveau de Arthur et les Minimoys. C'était. Qui était quand même bien sympathique pour 2017. Alors attends. Ouverture de. Du voyage extraordinaire là. Oui. Ah mais oui. Alors là c'était très bien. Moi je conseille pigeonneau et plusieurs verres de Bourgogne. Je peux vous dire que dans cette Lerobo ça passe comme ça après. N'oubliez pas évidemment de gratter le TGV gratuit. Évidemment, évidemment. À côté de Gilbert Montagnier qui vient tous les ans. C'est vrai. Ouais, ouais. Ah, j'étais à côté d'Amour. Je pense que Gilbert Montagnier aime beaucoup les cinémas 3D. Ah, ouais, écoute. Il voit pas la 3D, mais. Non. Mais il ressent au moins les sensations. Bah, voilà. Si c'est 3D, non, si c'est 4D, oui. Bon, que penses-tu de l'attraction? On est à la mer de sable. Là. Voilà. Bah, là, ça tourne beaucoup en fait. Ça tourne beaucoup. C'est bien. C'est agréable. C'est extraordinaire. Moi, je pense que c'est une excellente nouveauté 2016. Voilà. C'est cool en tout cas. Par rapport à Discobélix par exemple, que préfères-tu? Alors là, je préfère Discobélix, mais mon préféré c'est le Grizzly. Le Grizzly. Pourquoi? Parce qu'il tremble? Non, parce que Rodolphe c'est mon chéri. D'accord. Rodolphe, je t'embrasse. Gros bisous. Bon, bah, Rodolphe, et parce qu'il est près des arbres. Mais parce qu'il est bien programmé. Pas. Et celui du pal est très mal programmé. Et parce qu'il longe aussi les bâtiments moches. Oui, c'est ça. Voilà. J'aime beaucoup les bâtiments moches. Ouais, bon, ça fait du coup. Vous avez le plaisir de vous rencontrer? Bah oui, aussi. Enfant. Dès le début non déjà. Mais sérieux ça leur est clairement pas plus. Oh il en a rien à faire. Oh
Encore. Non, on va pas faire une interview. Voilà. Un peu toutes les attractions, n'est-ce pas? Et puis toujours avec Coaster World, très sympa. C'est vraiment cool au final de pouvoir s'associer, enfin se mélanger avec des forums. C'est vrai que je suis pas du tout en contact avec les forums. Donc là voilà, petite vidéo découverte de Coaster World. Donc mer de sable, on s'envole. Et puis quoi d'autre? Et puis il y aura une interview de Hervé Lux. Je vais faire avec Coaster World juste après. Voilà, donc voilà le programme. Puis pour l'instant, c'est chaise volante tranquillement au-dessus des dunes de la mer de sable. Et c'est la fin de cette vidéo accompagnée. Déjà, et oui, mais on se retrouve évidemment pour plein d'autres aventures. J'étais en compagnie d'Amworld et ça me fait vraiment plaisir de. J'étais en compagnie de. À Perpetuity City, hein. J'étais en compagnie de Coaster World et ça m'a vraiment fait plaisir de les retrouver et puis de montrer que les youtubeurs et les forums peuvent aussi être ensemble. Et ça, c'est un beau message d'espoir, je veux dire. Ça fait quelques années maintenant qu'on est amis et ça se passe très bien. Il n'y a jamais eu aucun souci. Hein, mais ça montre quand même. Et moi, voilà. Erwan. Mais je préfère que tu m'appelles Coaster Tube, c'est un peu mon nom de scène, tu vois. D'accord, ok. Voilà, mais en tout cas, on se retrouve pour plein de vidéos. On peut vous retrouver où sur, dans d'autres parcs, si on veut vous croiser. Ah, il y a quoi qui arrive? Mais moi, j'ai aucune envie de vous croiser. D'accord. Alors, je ne vous dirai pas. Non. Bon, bah, moi, si vous voulez me retrouver dans d'autres parcs, parce que je suis moins coincé qu'eux, vous pouvez me retrouver. Et ben, qu'est-ce que j'ai comme truc qui arrive? Pas grand-chose, beaucoup de festivals qui vont arriver. Mais ça, c'est un peu hors parc, mais peut-être se croiser dans un festival si vous arrivez à avoir des accréditations parce que vous aimez les accréditations et les buffets comme on a pu le dire tout à l'heure à moi dans l'attraction. Ah oui. À moi j'aime les buffets où il y a du pigeonneau. Voilà, et bah, s'il y a du pigeonneau, il n'y en avait pas à la mer de ça, mais c'était quand même incroyable. C'était quand même très bien, on a quand même passé une bonne journée. Avec du pigeonneau ça aurait été encore mieux. Bon, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Coaster Tube. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. À plus, au revoir.